professeur, nous parlons dans le bureau avec un conditionnel. Nous voyons que en plus de ça, nous voyons que c'est un grand entreprise qui a débarqué, les autres pour votre livrer, mais il y a une liste, pas qu'être la police derrière, gros chef derrière. Donc nous disons que la justice est pour tous les citoyens, tous les citoyennes. Donc c'est ça que nous là, nous vigilons, nous sommes la première fois. Et victime va comparaître là pour devenir une audience, nous sommes présents. Nous toujours présents, mais nous sommes pas là. Mais je dis, comme nous avons une confrontation, nous disons ça que faut que les faits dans l'égal égal égaux. Parce que nous avons balancé le penché en bas. Et je nous toujours dis, moi, pour être la dire, n'importe quel citoyen qui est accusé de crime, donc crime qui a déjà que je veux bien lui accuser de rien, il tape en détention préventive, mais je dis à pour répondre. Également, parler avec les victimes devant la loi. Mais pas ça, nous, donc ça fait aujourd'hui, là, nous, là, pour nous faire sortir la justice égale, ni femme, ni garçon. Vive Jésus! Quel que soit fonction occupée, quel que soit son monde qui tout puissant, qui a fait mon job, qui a nommé mon fait famille mon jeune job, et que des points on a fait avec la loi, supposé égal devant la loi, quel que soit son monde qui gagne président pour coquetter d'avoir, ou gagne et ministre qui a fait déclaration du gouvernement solidaire avant, mais tout ça montre nous que réelle impunité n'est pas fini. Si chaque fois que les grands potentats qui en a fait et que vous gagnez toute batterie, moun, yo gagne toute autorité qui a fait manipulation de l'opinion publique. Nous-mêmes, nous là, il y a dit nous prenons 1 million, il y a pris notre figure, nous, il y a pété bataille. Justement, quand on n'a pas d'argument, on utilise ces armes-là. Donc, moi-même, qui est bon côté nous, c'est Brian Congano. C'est un avocat américain. Il est le support de tout un appareillage gouvernemental, support au président de la République, support pratiquement de toute une juridiction qui autorise que vagabond, voyou, malfrat entrent dans le tribunal pour menacer avocat, menacer victime. Non? Son bagage excessivement. Bonjour, je suis Brian Concannon, moi c'est directeur exécutif.
collectif de l'Institut pour justice et démocratie en Haïti. C'est une ONG basée. On a déjà commencé à rédiger une plainte devant la Commission interaméricaine pour montrer que Mme Bernadette n'a pas une possibilité pour un jugement équitable en Haïti. Et donc, n'a continué à plaindre avec l'information que nous avons aujourd'hui. Et n'a poursuivi ça pour demander à la Commission interaméricaine pour exiger que l'État haïtien paye Mme Bernadette un jugement. Nous avons gagné plusieurs huissiers dans le tribunal Boisla qui a passé côté aux citations par Olivier Martelly avec Sophia Martelly du tribunal correctionnel. C'est hier où ici recevoir. Donc demain, et comme nous n'avons pas besoin de faire mélange, nous avons fait une conférence de presse en bonne et due forme sous action ça, qui est venu trembler dans le tribunal Boisla et notre action que nous avons envisagée au niveau international parce que nous avons un FIDH qui est entré dans le pays pour ça. Nous avons 100 organisations de droit monde qui a travaillé avec nous pour venir, pour voir qui gens sont capables de faire nous ça avancer et nous venons travailler tout en solidarité avec nous. Rapidement.